En attendant la sortie le 10 janvier prochain de ses mémoires, le prince Harry a donné deux interviews pour la télévision américaine. L'occasion pour lui de parler de sa famille, plus particulièrement de son frère le prince William et de son père, le roi Charles III. Les 8 et 15 décembre dernier, Netflix a dévoilé en deux parties la série documentaire consacrée au prince Harry et à Meghan Markle baptisée Harry et Meghan. Pendant 2 ans, les amoureux ont été suivis dans leur quotidien. Leur histoire d'amour a aussi été retracée, de leur rencontre à leur mariage célébré le 19 mai 2018 à la chapelle Saint-Georges à Windsor, en passant par le renoncement à leurs titres royaux avant leur départ pour les États-Unis. Au fil des épisodes, les spectateurs ont pu découvrir des images inédites de leur intimité, notamment des moments passés avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Le prince Harry a aussi fait des confidences sur la famille royale. Il a notamment raconté comment son frère le prince William lui a crié dessus lors de cette fameuse réunion de famille à Sandringham au moment de son départ de la monarchie avec Meghan Markle. Les nouvelles confidences du prince Harry dans une interview exclusive là n'est pas la seule fois où le prince Harry a pris la parole. En attendant la sortie le 10 janvier prochain de ses mémoires intitulées Spare, le suppléant, note de la rédaction, le fils de Lady Diana a choisi CBS pour se confier davantage. En effet, ce dimanche 8 janvier, les téléspectateurs pourront le découvrir aux côtés d'Anderson Cooper dans l'émission 60 minutes pour un entretien choc. Les premières images de cet échange ont été dévoilées sur Twitter. Vous savez, la devise de la famille est de ne jamais se plaindre, de ne jamais expliquer, mais ce n'est qu'une devise et elle ne tient pas vraiment, dit-il dans un extrait. Et d'ajouter, le silence est une trahison. Vers une réconciliation avec son frère et son père? Une autre interview du prince Harry sera également diffusée le même jour, ce dimanche 8 janvier, à 21h sur ITV1 et ITVX. Dans cet échange, le duc de Sussex attaque à plusieurs reprises la famille royale. Ils pensent qu'il vaut mieux nous garder d'une manière ou d'une autre comme les méchants, ils n'ont montré aucune volonté de se réconcilier, dit-il dans un teaser inédit dévoilé sur Twitter. Mais le prince Harry semble vouloir apaiser les choses avec son frère le prince William et son père, Charles III. J'aimerais récupérer mon père et mon frère, poursuit-il. À lire aussi Harry et Meghan, le prince William et Kate Middleton ont-ils regardé le documentaire Netflix sur les Sussex ?